Salut, c'est l'heure des pronos légendaires de Pierrot pour cette 19e journée déjà de Ligue 1 qui va commencer dès vendredi avec Lyon-Rennes. L'équipe de Lyon, on ne sait toujours pas trop quoi penser, qui a des certes des meilleurs résultats, mais qui semble quand même extrêmement fragile au niveau du jeu. Et une équipe de Rennes qui va incontestablement mieux et qui devrait se servir de ce match à Lyon pour comme d'un tremplin pour obtenir de nouveaux objectifs pour la suite de la saison. Donc je vais miser sur la victoire de Rennes à Lyon. Samedi, on va commencer à 17h, Lyon-Nice-Metz. Nice toujours amoindri par les blessures et par la canne, mais Metz aussi paye un lourd tribut à la compétition africaine. Donc je pense quand même que Nice a une belle occasion de prendre 3 points, victoire de Nice. Marseille-Monaco, deux équipes pas super en points. Marseille, faut le dire, a fait un mauvais match à Rennes en Coupe de France, après avoir fait un mauvais match à Marseille contre Strasbourg. Et Monaco, qui semble toujours cyclothymique dans ses résultats. Je pencherais presque pour une victoire de Monaco, mais je vais être plus prudent, je vais pronostiquer match nul. Dimanche à 13h, Montpellier-Lille. Montpellier qui est 12e mais qui doit continuer à prendre des points pour se rassurer. Et Lille qui doit continuer à en prendre pour rêver aux places européennes. Match compliqué, mais je vais pronostiquer une courte victoire de Lille. Les matchs de 15h, Lorient-Le Havre, match de la dernière chance, enfin un des nombreux matchs de la dernière chance pour Lorient, où ça n'a pas l'air d'aller bien fort dans tous les strates du club, contre une équipe du Havre qui suit son petit bonhomme de chemin et qui pour l'instant est extrêmement bien placé compte tenu de son budget et de son effectif. Je vais pronostiquer un match nul. Reims-Nantes, Nantes qui est dans une spirale horrible. Reims qui s'est fait éliminer en Coupe de France à Sochaux et qui aura certainement un état d'esprit un petit peu revanchard, victoire de Reims. Clermont-Strasbourg, qui est le remake du match de coupe où Strasbourg a gagné 3-1 et quand on voit le match, c'est plus que le minimum. Strasbourg a dû marquer au moins le double de buts. Je peux pas croire que Clermont réitère une performance aussi inexistante. Je vais pronostiquer un match nul. Toulouse Lens à 17h. Voilà, Toulouse toujours qui a été éliminé par Rouen en encaissant 3 buts contre une équipe de nationale. Lens qui doit se servir de ce match là aussi pour prendre des points, victoire de Lens. Et enfin dimanche à 20h45, le PSG Brest. Les deux équipes vont jouer encore une fois en Coupe de France quelques jours plus tard. A priori, au Parc des Princes, c'est une victoire sans grand problème qui s'annonce pour le PSG. Voilà, mes petits amis de la forêt. On se retrouve samedi pour le débrief des 3 premiers matchs. Et puis dimanche pour les autres matchs, lundi pour face à Pierrot, et puis voilà quoi. Je vous embrasse, un pouce, on s'abonne, bye bye.